Vendredi 7 septembre 2018, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Alphabétisation, c'est chimère, autonomie pour tout le monde qui pas qu'on lit à écrit. C'est sous thème ça, secrétaire d'État Alphabétisation célébré 52e journée internationale Alphabétisation, journée vendredi 7 septembre 2018 là. Dans l'occasion, le secrétaire d'État alphabétisation, Émile Brutus, plaide en faveur d'une plus bonne mise en place pour permettre l'intégration créole dans la société. Cinquième anniversaire existence réseau journaliste La Santé, dans l'occasion, porte-parole réseau Gladimir Ibrahim dressé un bilan positif sur quantité de travail réalisé dans la société haïtienne et puis présenté perspective RAJS gagné pour renforcer capacité réseau, surtout dans le domaine santé. Deuxième sénateur l'Ouest, Antonio Cherami, dénoncé cabinet ministériel, là, il fait connaître qu'il a gagné deux ministres qui gagnent national. Nationalité étrangère, parlementaire a exhorté collègue Lio pour bien analyser dossier ministre pour éviter irrégularité dans le prochain gouvernement. Dans page internationale journal là, Iran, Russie et la Turquie parivé joindre une entente sous question Idlib là, réunis journée vendredi 7 septembre 2018 là dans cadre d'un sommet dans Téhéran. Trois pays ça yo ta doué joindre une solution à crise syrienne là. Toutefois, dirigeants ça yo convenu pour continuer coopérer dans l'idée pour trouver une solution permanente, une façon pour éviter civils continuer perdre la vie dans la région nord-ouest pays Syrie. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Li pa boule gaz, la pmene yo n'importe qui côté. Nan mon, Nissan Kicks la c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks la gen yon power steering électrique, yon système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le capacé dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, li gagne toute dernière technologie Nissan. Yo. Nissan Kicks la, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors la gen belle 10 machines ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Léo son artiste, faut connaître son vle faire clavier. Faut songer koto soti à ki koto ou vle aller. Faut connaître ki message ou vle faire passer dans musique ou yo et puis ki jan ka mwen ke fanatikou. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi mwen konn ki sa pou me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi. Mwen pa négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. CPJA, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, stage à l'hôpital Espoir, la Frisa, Jules Minogue Rouillon, Julie Espérance, Michelove Etienne, ton stage à Copa Airlines, Rachel Brutus, travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que de vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Marianne Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Je désire, travaille déjà à Hong Kong. Mesdames et messieurs, Haïti doit connaître ce sens. Et c'est par le bien de notre jeunesse que nous pouvons. En vérité, CPJR vous dit carrément, Haïti, vivre.
PJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opérations aériennes. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJS, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3-788-2093. CPJF, la clé de votre réussite. Mettez pour mettez, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon titan, vous bénéficiez 7% obligé. Soit les comme ça même, pas wot du tout. Ah, activité fait pas gain temps. Au contraire, sorti temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On t'en parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale metté sous marché à pour faire l'argent faire petit. C'est pour que pour pipiti 50 000 gouttes ou ta mettre dans obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, m'a pas lâché pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon? S'il monte, BRH a mis un petit de plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdre nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé, m'a fait renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et bien, qui compte exactement, m'a besoin de produit ça? Pour avoir mis dans toute banque à toute coopérative qui est dans la fédération et dans l'autre institution financière. Eh bien, à l'obligation BRH, tout le monde est au fin de parler, Carole. Maléfique. Kounia, il y a plus d'avantages toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites 3 mois, BRH a 7% d'intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7.25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7.50% intérêt sous mon l'argent. Mettez pour mettre. La nouvelle a l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vos parents qui lui avaient confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing, boom bagay. Alphabétisation, c'est chemin autonomie pour tout le monde qui pas qu'on lit et écrit. C'est sous thème ça, secrétaire d'État alphabétisation célébrée 52e journée internationale alphabétisation. Activité ça qui était déroulée en présence ministre éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agenor Cadet, représentant UNESCO en Haïti à Paul Gomis pour ne citer ça seulement. Dans intervention secrétaire d'État alphabétisation Émile Brutus qui fait qu'on est journée alphabétisation ça c'est
un moyen pour sensibiliser la société à soulager l'alphabétisation. Secrétaire d'État alphabétisation plaide en faveur d'un plus bon mise en place pour permettre l'intégration créole là dans la société haïtienne. Émile Boutus, c'est secrétaire d'État alphabétisation qui était dans le micro Jean-Dani Dani Sacri Cardo Régis. UNESCO décrété journée ça sous signe un slogan un thème pardon c'est alphabétisation et développement compétences. L'idée UNESCO c'est comment l'offre alphabétisation pour monde qu'a tout aider à développer des compétences professionnelles. C'est un bagage qui est extrêmement important par rapport à de grandes questions qui posent aujourd'hui hein, tant pour la mondialisation. La mondialisation fait que gagne plus compétitivité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas croire que mon artisan que nous avons par exemple, c'est eux-mêmes qui rentrent dans quelle logique de compétition, ou plutôt de compétitivité, en quel autre producteur qui a utilisé et qui a fait recherche, en quel autre producteur qui a utilisé technologie et qui gagne, je veux dire, qui devait développer. Donc, nous n'avons pas qu'à compétitif par rapport à ça. Donc, il faut que nous raisonnions, il faut que nous réfléchissions pour nous être le meilleur choix que nous sommes capables de faire pour qu'en alphabétisant, nous sommes capables de tout créer conditions pour développer compétences professionnelles. Il se trouve que nous-mêmes, nous cherchons à rentrer en deux journées. Lorsqu'on alphabétise un monde pendant 6 mois, et pour la guerre comme ça, ça va le passer. En 22 mois, oublier toute sa volonté à prendre faire. D'autant plus qu'il y a une très mauvaise approche dans la question de l'alphabétisation d'un pays. Hein. Côté que, je dis mon alphabétisé, je dis comme signé non. Ça veut dire, nous, on sait le centre d'alphabétisation, l'exercice que vous faites avec les participants, c'est seulement pour vous signer non. Vous faites des dessins pour signer non. Donc, vous avez proposé des dessins. Vous doit refaire, mais vous ne pouvez pas faire même non en plus. C'est pour montrer nous que c'est loin de là, ça n'a pas cherché comme résultat d'alphabétisation. Nous-mêmes, nous gagnons information par nous. On a joint l'Institut haïtien de statistiques d'informatique pour nous dire mais qui information pour le chercher pour nous en deux recensements que l'affaire qui est pour être avec monde qui connaît, lit, monde qui pas connaît, monde qui pas connaît. Donc ça veut dire que son travail collectif que lié recensement ça pas fait. Et monde qui soutient l'alphabétisation et monde qui débouche, il y a des besoins pour. Mais c'est ça que fait aujourd'hui hein, débat, recherche qu'a fait, réflexion qu'a fait. Ishita sur comment mettre en place un sous-système d'éducation non formel qui prend en compte les besoins éducatifs de tout le monde qui part dans un système formel. Si vous voulez, situation d'alphabétisation, que ce soit dans ça que nous avons fait, que ce soit dans la coopération avec et Cuba, mais tout que ce soit ça que nous avons fait sur le terrain comme travail. Donc c'est une illustration de tout le bagage sur l'alphabétisation que nous faisons aujourd'hui hein, à travers Journée de Pop-Toulouis, ça. Sous bon parle ministre d'éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agenor Kader qui t'a participé dans 52e journée internationale alphabétisation souligné j'effort il fait connait qu'a fait pour ta mettre fin à analphabet là dans pays a pendant il rappeler quantité ti moun qui pas connait li depuis plus passé 10 l'année il fait connait journée jodi a yo à 300 000 Pierre Josué Agenor Kader c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui était dans micro radio télé éclair jodi c'est avec un pile plaisir en pile joie, en pile contentement, m'a participé dans un gros événement ça, qui c'est Journée internationale alphabétisation. Alphabétisation, 75 ans après, Jean secrétaire d'État sous dit là, pour nous arriver à mettre au bout de ça, c'est nous d'abord nous faire tout si moun yo à l'école, en éducation pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous. C'est voir comment pour tout petit monde qui a l'âge pour l'école trouver dans l'école. Mais bon, il faut faire attention ça parce que ça fait environ 10 ans dans le pays d'Haïti, il y a plus de 500 000 petits monde qui a l'âge pour l'école qui partent dans l'école. Aujourd'hui, nous seulement à plus de 300 000 et l'objectif là c'est éliminer les lettres parce que chaque fois tout petit monde à l'école bonnet, eh bien alphabétisation pour devant pas même capable au problème nous gagnons tout aujourd'hui dans le monde. En 2018, dans le monde que nous vivons là, il y a plus passé environ 300 millions de monde qui ont l'âge, ou bien petit monde qui ont l'âge pour l'école, qui parle l'école. Mais nous dit, pour nous arriver à résoudre toute bonne vraie question d'alphabétisation, il faut être bien honnête, nous prenons tout petit monde qui ont l'âge pour l'école. Nous mettons l'accent toujours en Haïti
sous question formation adulte et surtout formation continue. Parce que je vous dis, dans l'entrée de l'école là, nous t'étendons d'elle, j'entends m'entendre, c'est une éducation inclusive pour une nation solidaire. Ça veut dire, place tout le monde dans l'école. Et dans ce sens, nous voyons beaucoup de chapeaux pour l'académie créole haïtienne qui font un gros, gros travail. Parce que je vous dis, si le groupe dit créole, pas langue, parce que pas de grammaire, pas de pile, pas de encore, et bien je vous dis, dans l'académie créole, il y a un pile gros effort qu'a fait dans affaire langue créole là et langue créole là qui est obligatoire pour aller dans toute l'école. Nous avons un projet, nous pensons qu'un jour, en dans le pays d'Haïti, on va arriver dans n'importe quel bureau, on va écrire seulement en français, texte de loi, parole qu'on parle, il a fait tout en créole. Parce que nous sommes un pays sur la terre bénie, côté monde n'a pas prendre dans une langue qui parle maman avec papa. Mais il y a une grosse réflexion qui a fait sur ça tout, dans un bon rapport qui doit renforcer entre l'Académie créole haïtienne, le ministère de l'Éducation nationale et le secteur d'État alphabétisation. Nous disons tout, nous saisons l'occasion pour annoncer que ça va bien longtemps, nous sommes fait un gros humblé. Côté plusieurs ministères étaient là, plusieurs experts étaient là, sous question éducation non formelle. Hier, dans un compte premier rencontre qui a gagné avec le gouvernement qui peut joindre une bénédiction par le moment, parole qui t'a parlé pour respecter la vision et président Jovenel Moïse, c'est pour être comment ils sont capables d'utiliser à partir de l'année tout petit monde dans le lycée, notamment élèves filo, pour faire une alphabétisation de masse à travers tout le pays. Parce que l'objectif là, c'est pour nous vivre un jour, pour ne pas gagner aucun petit monde en âge pour aller à l'école qui va dans l'école, aucun grand monde tout qui a prêté pour ne pas lire, pour ne pas écrire, pour ne pas compter. Toujours dans l'occasion célébration 52e journée internationale alphabétisation, regroupement éducation pour tout le monde, fixer position yo face à problème alphabétisation, yo dit qui pas existait vraiment dans pays a dirigeant organisation qui dressait un tableau sombre sous phénomène analphabétisme là dans pays a côté selon yo même environ 2 500 000 moun pa konn li ak écrit soit 30 à 46% moun dans société haïtienne nan. Diverses recommandations à autorités concernées ont encore créé un plan AAC, un programme national alphabétisation pour tout le monde et tout secteur dans le pays et puis prend toutes dispositions pour réaliser un recensement sous quantité de monde qui pas qu'on lit à écrit pendant yo mandé l'état pour respecter engagement li te prend devant peuple haïtien dans cadre agenda éducation 2030 là. N'a pas invité au suivre représentant regroupement éducation pour tout le monde qui est dans le micro radio télé éclair. Merci beaucoup de nous aider. C'est comme ça, nous-mêmes dans la campagne mondiale pour l'éducation, nous choisissons parce que dans toute déclaration qui fait, dans tout engagement qui fait, il y a des gens qui ont dit, il y a une justice pour que les gens qui va conduire, qui va conduire. Et c'est là qu'il fait que, pour nous, au niveau international, engagement point. Pour tout le monde arriver dans la 9e année fondamentale. Donc, on a, il y a déjà 15 ans, je t'ai dit, pour tout le monde arriver dans la 6e année, qu'on y a, il y a eu 9 ans au niveau mondial. Et Haïti, même, pour qu'on même finisse d'arriver dans le premier pas, qui c'est l'alphabétisation. Et puis, il faut que tout le monde dans le pays, pas qu'on lit, pas qu'on écrit, et parfois, il ne pas croire, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. En plus, on fait 2-3 jours l'école, et puis après ça, ils viennent et tomber, ils ne vont pas continuer à apprendre. Ça va nous demander pour qu'il y ait un programme d'alphabétisation, je nous ai dit là, qui permette, nous avons fait des alphabétisations de base, mais qui permette de continuer à apprendre. Et continuer à apprendre, si on veut continuer dans le fondamental, si on veut arriver dans le secondaire, si on veut arriver là-dedans. En même temps, tout le monde va continuer à apprendre. Il faut l'alphabétisation, il faut faire formation technique professionnelle avec. En même temps, il y a l'autre programme qui fait, mais toujours, il faut que nous ayons toujours nos lignes qui font un programme qui continue à apprendre. Et pour ça, il faut gagner en politique, éducation, et jeunes à tout le monde, là, nous demander qu'en plus de l'alphabétisation, nous demander pour gagner en politique, éducation, jeunes à tout le monde, qui a fait tout le monde et qui offre plusieurs possibilités
Journée internationale d'alphabétisation, ça, regroupement éducation pour tout le monde, REP, manifester solidarité avec tout le monde qui parle des jouis droits, gagner pour jouer l'éducation, particulièrement jeunes et grands monde. Jeudi, il y a toujours gagner 7 775 millions de monde qui ne connaissent pas avec plus passé 2 tiers dans eux, c'est femmes dans le pays. Nous avons 2 500 000 à 1 500 000 qui ne connaissent pas avec selon le document l'État et le gouvernement haïtien. Nous avons tout pourcentage, environ 30% à 46% analphabètes, plus fort, c'est femmes. Malgré la signature dans l'année 2015, Agenda Éducation 2030, qui est objectif pour tout le monde arriver pour pipiti dans la 9e année fondamentale, alphabétisation et éducation jeune à grand monde dans le pays, a toujours pas joindre considération bon côté l'État et le gouvernement haïtien. Pourtant, la situation en alphabétisme, c'est une injustice sociale, c'est une violation du droit monde. En plus, c'est un croque qui réduit la capacité de moun yo gagner pour développer tête yo ak servi pays comme citoyen ak citoyen. Rep a dit encore, alphabétisation c'est droit fondamental moun. Alphabétisation c'est un engrais pour aider moun joindre l'autre droit yo gagner. Alphabétisation essentielle pour moun grand moun tête yo. L'autre information, réseau journaliste en santé organisé journée vendredi 7 septembre 2018 la une conférence bilan dans cadre 5e anniversaire existence li porte-parole réseau haïtien journaliste en santé a Gladimir Ibrahim qui dressait un bilan positif sous ensemble activité li dit réseau a réalisé à travers divers départements dans pays a exprimé satisfaction pour bon collaboration li fait connaître réseau a gagné avec plusieurs organisations locales ou internationales. Gladimir Ibrahim présente perspective ak plan li fè konnen rezo a genyen pou jou k ap vini yo nan lide pou renforse kapasite ak rezistans organizasyon an nan entere jounalist yo. Gladimir Ibrahim se porte-parole rezo haïtien jounalist an sante a kite nan mikro Gerlens Lui ak Mackenson registre. An suiv. Yo ak pe pou yo mize pendant ane sa yo, pendant 5 ans sa yo, renforcement de kapasite pou moun bi. Se sa ki fè septembre 2018, nous avons réalisé une douzaine de séances de formation qui permettent que nous formions environ une centaine de journalistes sous des thèmes qui sont liés avec maladies communicables qui ne pas traiter, VIH, et santé maternelle, santé infantile, handicap, médication, pour me citer ça seulement. En 2014, RHIS a organisé le premier retraite dans la République dominicaine, dans Boca Chica, et retraite ça permet de nous sortir avec un plan stratégique. Et en 2016, le réseau a été organisé une visite exploratoire dans Washington DC, et visite ça a été rentré dans le cadre. Il y a deux séries de formations que nous avons organisées dans tête collée avec LMG, USAID. Et une visite a justement été faite pour que nous te permettre à moun qui te lauréat, yo, rédacteur en chef, journaliste qui te lauréat dans la formation, sa yo, et deux droits représentants de droit aller à Washington et bénéficier des formations supplémentaires. Non, la voix de l'Amérique, visiter ensemble l'institution aux États-Unis qui travaille dans le domaine de la santé, travaille sur le renforcement de capacité, parce que nous croyons que les journalistes, autant qu'il y a formé, c'est autant qu'il y a besoin de plus de formation. Et dans ce sens, nous travaillons sur le plan de formation continue. Non? Et pour les journalistes, surtout sur les fondamentaux du journaliste, sous-déterminant, sans déterminant et sans délire, c'est ça aussi. Deuxième sénateur l'Ouest là Antonio Cherami dénoncé façon li fait connait cabinet ministériel premier ministre nommé Ahmed Jean Henri Seyan formé sénateur Antonio Cherami qui fait connait gain deux ministres qui fait partie cabinet ministériel li a qui gain nationalité étranger dans sens ça sénateur l'Ouest là mandé parlementaire
pour prendre responsabilité pour bien analyser pièce tout ministre qui composait cabinet ministériel là une façon pour éviter irrégularité en dans prochain gouvernement. Antonio cher ami c'est deuxième sénateur l'ouest là qui était dans micro Wodley Pierre ak Marvin Henry affaire premier ministre pas intéressé nous affaire gouvernement pas intéressé nous pour nous ni participer ni de près ou de loin là-dedans. Mais je dis à me penser c'est pas parce que nous dit ça pas intéressé nous pour nous quitter n'importe qui bagarre passé par exemple premier ministre nan monté cabinet li gen deux nan ministre ça supposé gen deux nan ministre là pratiquement gen nationalité étrangère tout monde ouais sur réseaux sociaux ça qu'a passé monsieur fait nuit nan c'est hier soir il paye taxe moi me penser ça c'est irresponsabilité non seulement président et chef gouvernement et que yo à peine choisi qui c'est Henri Seyan ou pas kadim pour gen deux ministres qu'on choisi pour venir dans cabinet ou et pour pas même vérifier si moun ça c'est moun qui compte payer taxes si moun ça gen carte électorale et pour moun nan même rivé gen nationalité étrangère et me penser jodi an pas gen pression qui pourra le mettre sous parlement pour faire voter moun ça avec toute nationalité étrangère moi ta même que dans moment côté m'a parlé à même pour parlement prend responsabilité parce que si nous gen des moun qui pral préparer budget si nous gen des moun qui pral mander population pour payer taxe s'il plaît comment moun ça li même li ka fait pas jamais payer taxe et puis c'est pendant ou fin choisir comme ministre ou pendant nuit li levé la l'organiser pour courir payer taxe et puis pour venir là pour même penser même pour moralité et même pour respect et société a monsieur pas de faire peuple là et ça que y a fait là et me penser non sans ça m'a demandé parlement pour pas prendre pression pour garder tout dossier yo yon après l'autre dans le gouvernement pour si c'est et on côté pour mettre yo et pour capable faire ça ou gain pour faire moi me penser jodi a faut un exemple qui tracé parce que nous pas capable demander peuple à payer taxe chaque jour et puis nous même qui a venu comme chef qui pral taxer nous pas payer taxe hier soir monsieur fait nuit nan bloqué devant et DGI pour payer taxes. Gagne qui pas gagne carte électorale, gagne qui nationalité étrangère. Moi même moi ta même connais sur qui base Henri Seyan Chita pour monde qui dit après 6-7 yo prend leçon. Après 6-7 yo dit yo comprendre que population fatiguée avec yo ou est-ce ça yo vinn offrir là comme gouvernement. Moi te dit pas fouer bouche là-dedans. Moi te dit ça pas garder parce que moi inscrit déjà dans combat contre système là moi inscrit déjà dans combat contre Jovenel lui même pas des compétences pour gérer pays mais je dis à me penser c'est trop à toi faut me sortir dans silence moi sous question gouvernement ça pour me dire parlement prend responsabilité monsieur Sayo qui pas gagne lever la nuit al pays faut que kabayon réponse monsieur Sayo qui gagne nationalité étrangère faut que cap prend sans yo regarder tout dossier yo avant même que yo penser à faire séance. Secteur revendicatif national qui gagne là-dedans divers syndicats et organisations populaires et politiques continuer dénoncer corruption yo di kap taye banda nan institution l'état yo et puis mandé pour gen lumière qui fait sous dossier l'agent Petro-Caribéa yon nan mam directoire secteur revendicatif national l'agent Woody Saint-Just qui dénoncer silence li di secteur religieux a fait nan période trouble ak mouvement revendicatif populaire yo mandé ak représentant religion yo pour fixer position yo nan pays a pendant li annoncé yon manifestation 17 octobre kap vini la pour mandé justice à condamnation tout monde qui t'a gagné droit yo trempé dans gaspillage l'agent Petro-Caribéa. Jean-Woudi Saint-Just, c'est membre directoire secteur revendicatif national là qui était dans micro radio télé éclair. Secteur revendicatif a constaté gros silence l'église qui c'est un élément important dans la bataille peuple haïtien lancé contre corruption et impunité. Secteur revendicatif là a demandé pour l'église yo, pasteur yo, prêtre yo voyer signal peuple pour connait dans qui quand lui. Secteur revendicatif là va m'inviter pour une conférence épiscopale, secteur fédération protestante, secteur vaudou, à tout fidèle yo dans un gros marche pacifique ça, parce que massa pas d'éviter aucun secteur derrière. C'est un mouvement pacifique, patriotique, inclusif, c'est un marche qui va gagner aucune idéologie politique ni zambitaille. C'est les haïtiens qui mettent nous. Qui donc, et vous c'est haïtien. Et puis pour les affaires corruption à l'impunité qu'il y a pays, il y a place pour vous, il y a place pour dans massacre. Secteur revendicatif choisi 17 octobre, là, parce que c'est date ça, Papa Nation, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, qui est assassiné
pour justice sociale, acclimatisation équitable, richesse pays. Ces mêmes gens ont assassiné l'argent, solidarité pays, Venezuela, décrété pour faire développement. Pour finir, le secteur éducatif là, dit que marche ça, qui se marche contre corruption à impunité, exige que, faut que lumière faite sous fond que tout caribéa, d'être la loose de nous en pile, les haïtiens. Faut que nous qui dilapidons fond que tout caribéo, identifier, arrêter, juger et remettre comme là. Pour ça, ou même haïtiens conséquents, ou même qui remet pays ou citoyens engagés, diaspora, géniaux, militants, professionnels, journalistes, basio, organisations, cause l'argent que tout caribéa, ses affaires pauvres, ses dossiers pauvres, c'est où qui pour défendre. Et que 17 octobre 2018, on attend tout le monde pour voir un beau signal par le monde à le monde qui dilapide fonds pétro-caribéens. Et bien bah, ici, pas bas de bas, nous demandons fonds justice et activer fait sur l'argent pétro-caribéens. Dans une note pour la presse, rectorat Université l'État d'Haïti a informé public là en général, postulant en particulier que inscription concours admission pour année académique 2018-2019 la prolongée arrivé dimanche 30 septembre 2018 pour entité nous pral cité là yo, l'école droit et sciences économiques OKAI, l'école droit et sciences économiques Fort Liberté, l'école droit et sciences économiques Port de Paix, faculté droit sciences économiques et gestion Cap Haïtien. Pour l'école droit et sciences économiques Gonaïve là a prolongée arrivé 10 octobre 2018 là. Une note qui pote signature Unité Communication UEH là. Lancement officiel journée vendredi 7 septembre 2018 là un conseil spirituel dans zone 42 commune Croix des Bouquets. Activité ça rentré dans quatre différents programmes pasteur Maxon Gaspard gagné pour marquer grand retour groupe évangélique li ak pose première pierre construction l'église de Dieu assemblée premier néo en Haïti. Organisateur principal activité spirituelle ça pasteur Maxon Gaspard qui lance une invitation bay population pour venir participer à qui au fait connait c'est dans l'idée pour faire action de grâce avec bon Dieu et puis relancer activité groupe là sous scène nationale là. Plus information avec pasteur Maxon Gaspard qui était dans micro radio télé éclair. C'est justement une activité spirituelle que en fait c'est une course spirituelle d'abgayer le samedi le canal 2 valenté donc c'est dans le même juste pour que mes communions verticales avec Dieu. Et nous pourrions aussi être avec la communauté haïtienne, spécialement nous autres là. Donc, c'est nous qui donc, comme nous-mêmes, parce que Gaspard Maxon, nous avons plusieurs chapeaux, c'est-à-dire, nous sommes organisés compositeurs, les chanteurs, également aussi les pasteurs qui, comme BG, comme soin, ça, comme vous le dire, comme nous le dire, pour perdre la brebis aussi. Et bien, nous sommes des plaisirs qui, ici en Haïti, nous avons les Miami, les Fort Myers, et le Tampa. C'est le dit de Dieu à ce que vous aimez. Donc, c'est parti pour vous, pour avec la société ecclésiastique, là. Et pour avec nos membres, les adorateurs, nous faisons beaucoup de pour toute la grâce. Il y a beaucoup de Samoyen qui existe depuis 1998. Donc, nous sommes passés parce que 20 ans, les États-Unis ont déjà retourné. Avec un programme, nous sommes capables de construire un temple qui est déjà fini de construire. Un temple dans le Canada qui est dédicacé pour dimanche. Donc, avant dédication du temple, nous automatiquement voulons faire un conseil spirituel avec retour, là, avec Révélation Musique, d'autres encore, avec les jeunes qui sont dans le ministère, nous, qui viennent chanter. Donc, pour ça que nous, certainement, que tout le monde dit que. C'est seulement nous voulons glorifier mon Dieu, lui-même qui fait terre du ciel là. Donc, moi, je crois qu'il y a un homme de Bible très fort, c'est sur les endroits, David, qui a une orchestre de 4000 hommes. Donc, je crois qu'il y a un pile message, il y a un pile bénédiction de la musique. Donc, nous croyons que Dieu, c'est justement fondateur de musique quand même. Donc, nous venons pour nous faire sans moyen, live, tout sort et s'habiller, pour que nous jouions demain, si Dieu veut, samedi, à 7h d'après-midi, pour commencer. Tout le monde, nous venons répondre avec pendant 20 ans que nous, des États-Unis, nous vivons la tête de corps juste pour qu'on ne pas évoquer. Pour ces mêmes sous malades, guérir, lever pour mourir, pour venir gratis. Pourquoi pas les gratis? Je veux dire quoi? On sait ça, les gratis, on va payer
rien. Seulement payer présence. Ministre de nous bâtir de gloire après 28 ans. Donc, nous avons essayé de venir faire l'église pour nous théâtre qui prend l'évangile salut, l'évangile de la sanctification, purification. Et nous croyons, c'est le seul homme qui a baillé le monde. Jésus-Christ de Nazareth. Avec cela, ou pas payer rien. Jésus vient jouer nous, vient battre avec nous, vient danser avec nous, vient glorifier, vient célébrer. Ou pas payer rien. Un dollar à payer gratis. Dans la page internationale journal la drame dans moment campagne présidentielle dans le pays Brésil côté candidat favori extrême droite là t'a recevoir un coup de couteau dans ventre candidat qui pas mouri t'a trouvé dans un état critique ça qui t'a metté gros doute sous participation dans élection qui prévoit 7 à 28 octobre cap vini là on suit un reportage avec Euronews. Moment dramatique de la campagne pour la présidence du Brésil, que celui où le favori des sondages, le candidat d'extrême droite, se fait attaquer alors qu'il est porté par ses sympathisants. Poignardé à l'abdomen, Jair Bolsonaro a dû être opéré d'urgence et son état est stable. L'assaillant a immédiatement été attrapé par la foule choquée et en colère qui l'a molesté. Remis ensuite à la police militaire, l'homme de 40 ans dit avoir agi pour des raisons personnelles, sur ordre de Dieu. L'ancienne présidente Dilma Rousseff a réagi, condamnant une nouvelle fois les déclarations controversées de Bolsonaro. Je pense que c'est lamentable, dit-elle, mais je pense aussi qu'encourager la haine engendre ce type de comportement. Vous ne pouvez pas dire que vous allez tuer tout le monde, d'autant plus si vous êtes candidat à la présidence. Bolsonaro, ancien militaire de 63 ans, nostalgique de la dictature, tient depuis de nombreuses années des propos violents, homophobes, sexistes, racistes. Il se définit lui-même comme le Donald Trump brésilien. Sa participation à l'élection est désormais mise en doute, alors que l'hôpital a fait savoir que sa convalescence pourrait prendre des mois. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, Iran, Russie et la Turquie parivent joignent en tente sous question Idlib là, réunis jeudi vendredi 7 septembre 2018 là dans cadre d'un sommet dans Téhéran, trois pays yo t'a doué joindre une solution à crise syrienne. Toutefois, dirigeants sa yo convenu pour continuer coopérer dans l'idée pour trouver une solution permanente, une façon pour éviter civils continuer perdre la vie dans région nord-ouest pays Syrie. En suivant un reportage toujours avec Euronews. Ce sont les trois hommes forts en Syrie en ce moment. Rouhani, Poutine, Erdogan se sont retrouvés à Téhéran pour une réunion au sommet, censée décider du sort de la province d'Idlib. Située au nord-ouest de la Syrie, c'est le dernier bastion des rebelles et des djihadistes dans le pays. Si les trois dirigeants ne sont pas tombés d'accord sur les modalités d'une intervention, la critique des États-Unis fait-elle l'unanimité ? La présence illégale et l'intervention de l'Amérique en Syrie, c'est ce qui a mené à une situation d'instabilité qui doit cesser. Pour les Russes, il est indispensable de séparer les civils des rebelles avant toute attaque. La tâche principale à ce stade est de faire partir les rebelles de la province d'Idlib, car leur présence est une menace directe pour la sécurité des citoyens de toute la région. Les rebelles sont accusés par le président russe et ses alliés d'utiliser les civils en tant que bouclier humain. Attaquer, mais éviter un bain de sang, la position ne convient pas à la Turquie qui, elle, réclame un cessez-le-feu. En Turquie, nous accueillons actuellement 3,5 millions de réfugiés. La population d'Idlib est de 3,5 millions. Nous n'avons pas les ressources et le pouvoir d'accueillir autant de personnes. Nous devons prendre des mesures communes afin de fixer la migration dans ce secteur. Ces derniers jours, des centaines de civils ont quitté Idlib, direction la frontière turque, pour se mettre à l'abri. Quelques dizaines de minutes après la fin de la réunion, des avions russes frappaient déjà la région, faisant 5 morts. Les jours qui viennent pourraient être un tournant dans un conflit qui dure depuis 2011. Voilà, cela nous mettait fin à quatre dernières éditions Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Alphabétisation, c'est chimé autonomie pour tout le monde qui pas qu'on lit à écrit. C'est sous thème ça, secrétaire d'État Alphabétisation célébré 52e journée internationale Alphabétisation, journée vendredi 7 septembre 2018. Dans l'occasion, secrétaire d'État Alphabétisation, Émile Brutus,
plaider en faveur d'une plus bonne mise en place pour permettre l'intégration créole dans la société. Cinquième anniversaire existence réseau journaliste La Santé, dans l'occasion, porte-parole réseau Gladimir Ibrahim dressé un bilan positif sur quantité de travail réalisé dans la société haïtienne et puis présenté perspective RAJS gagnée pour renforcer capacité réseau, surtout dans le domaine santé. Deuxième sénateur l'Ouest, Antonio Cherami, dénoncé cabinet ministériel, là, il fait connaître qu'il a gagné deux ministres qui ont nationalité étrangère. Parlementaire a exhorté collègue Lio pour bien analyser dossier ministériel pour éviter irrégularité dans le prochain gouvernement. Dans la page internationale journal, là, Iran, Russie et la Turquie par arriver joindre une entente sous question Idlib là, réunis journée vendredi 7 septembre 2018 là dans cadre d'un sommet dans Téhéran. Trois pays sa yo ta doué joindre une solution à crise syrienne. Nan, toutefois, dirigeants sa yo convenu pour continuer coopérer dans l'idée pour trouver une solution permanente, une façon pour éviter civils continuer perdre la vie dans la région nord-ouest pays Syrie. Ces principales informations ça yo avec divers lots qui t'ai fait essentiel dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Merci pour patience et fidélité au t'ai accordé à journal nous dans micro pour te présenter au journal ça Darline François. Restez branché pour reste programmation télévision. Bon week-end.